Aujourd'hui, on va faire la review de Ancient Relics, dernier DLC pour Stellaris sorti mardi dernier, et qui se concentre en particulier sur l'exploration, la découverte de sites archéologiques et donc des reliques en général. Donc on va commencer tout de suite avec les sites archéologiques, donc c'est l'un des mécanismes majeurs du jeu. Donc le site archéologique, qu'est-ce que c'est? C'est une anomalie que vous allez retrouver donc sur des planètes et qui vont vous permettre suite à la recherche via un scientifique d'avancer et de découvrir de nouvelles histoires dans le jeu. Voilà, donc une anomalie, vous avez différents mécanismes, un peu comme les sièges sur Europa Universalis, où tous les 90 jours, votre scientifique fait un jet de dés, et puis selon les diverses stats, il aura des indices qui pourront l'aider à avancer, ou alors il réussira à avancer, et donc on passera d'un chapitre à l'autre. Entre les chapitres, vous avez à chaque fois une petite histoire à voir, que vous pouvez d'ailleurs revoir en arrière au fur et à mesure. Et puis vous avez toujours le chapitre en cours. Alors, pour l'instant, je n'ai rien trouvé sur cette colonie. Les chapitres vont de 3 à 6, et au fur et à mesure, vous pouvez aussi avoir des événements, alors que je retrouve par exemple ici, où au cours de la recherche, j'ai pu avoir des événements avec des ruines qui se sont effondrées sur l'équipe archéologique. Donc là c'est le plafond qui est tombé dessus, mais vous pouvez aussi avoir des maladies, et puis il y en existe quelques autres. Donc ces événements en malus font que vous perdez des indices, justement, donc ça va ralentir ici la découverte et l'avancée de la prise archéologique. Mais vous pouvez aussi avoir des événements en bonus, que je ne dois pas voir ici, comme la découverte d'un passage secret. Voilà. Donc pour trouver les sites archéologiques, c'est très facile, c'est un peu comme les anomalies où scientifiques vont explorer la galaxie et de temps en temps ils vous indiqueront qu'un site archéologique a été trouvé. Donc les rechercher, c'en avait avec les scientifiques. Il y a des récompenses sur ces sites, donc suivant les événements, par exemple je vais prendre celui-ci qui est assez décrié en ce moment. Donc au fur et à mesure, la majorité du temps, vous trouverez des artefacts mineurs, j'y reviendrai plus tard, mais vous pouvez aussi trouver, là par exemple, un événement bénéfique où j'ai trouvé des crédits énergétiques. Et sinon, suite à la découverte à la fin, vous avez un événement spécial. Donc là, j'ai trouvé le grand héros qui est un titan et encore dans ma flotte. Si je le retrouve, voici le titan. Hop. Voilà, donc quand on trouve ça en début de partie, on est très heureux. Et donc, c'est une récompense de quête archéologique, mais vous pouvez aussi trouver des reliques. Donc ces reliques, que vous trouverez ça dans le tab des traditions. Donc ici j'en ai une. Donc les reliques, ce sont à trouver via des événements en jeu, via les crises, via le CAN, via peut-être même comme le Galatron à l'achat. Donc qui vont permettre diverses choses. Alors il y a d'abord un avantage passif, donc ici c'est 5% de recherche. Et puis vous avez l'avantage actif, là c'est que lorsque vous cliquez sur la relique, vous avez une technologie aléatoire. Là j'ai 50% d'une recherche sur une tech aléatoire. Voilà, cependant l'avantage passif a un coût, et aussi vous pouvez, donc là c'est 150 d'influence, et vous devez aussi attendre 10 ans entre chaque activation de relique. Voilà. Même si vous en avez plusieurs, vous ne pouvez pas activer toutes les reliques en même temps, il faudra faire un choix en fonction de ce que vous faites. Les reliques sont liées au DLC. Alors, donc il y a de nombreuses reliques qui sont liées donc à Ancient Relics, mais si vous avez les autres DLC tels que Megacorp, vous pourrez trouver le Galatron qui est une nouvelle relique à partir de maintenant. Si vous avez Apocalypse, vous trouverez une relique en lien avec le CAN. Et bien sûr, vous avez aussi les reliques liées au précurseur, qui étaient dans le jeu de base. Et donc si vous avez le jeu de base, bah, vous pourrez les trouver. Et idem pour les reliques liées aux crises, qui sont la Contingency, les Praetorines et les Unbidden. Voilà. Il y a divers effets pour ces reliques, et puis et voilà. Les artefacts mineurs, ça c'est une nouvelle ressource que vous trouverez en particulier, donc c'est lié au DLC entièrement. Donc c'est une ressource que vous trouverez suite aux découvertes archéologiques. Hop, non, pas chez les Zronies malheureusement, comme ici, voilà. Donc au cours des recherches, vous trouverez donc des petits artefacts mineurs. On peut en voir, il y en a un peu partout, ou parfois, donc là je n'en ai pas trouvé, mais sur les planètes directement, vous avez des sources d'artefacts mineurs. Donc ces artefacts, vous avez plusieurs actions selon vos ethos pour les dépenser. Donc là, par exemple pour ceux qui auraient Distant Stars, vous pouvez aussi débloquer des détails sur les porte-ailes avec. Mais sinon, voilà, vous avez des décisions supplémentaires, ou alors, une fois que vous aurez débloqué une certaine technologie de fin de jeu, vous pourrez les dépenser pour améliorer
vos technologies, vos troupes au sol, je crois, et une dernière chose, je ne sais plus. Mais voilà, il faut débloquer la tech, puis ça vous débloque des actions communes à tout le monde. Et sinon, c'est vraiment relatif à vos ethos et à vos empires. Donc là, moi, je joue des robots. Et donc, les artefacts binaires me permettront de booster via des décisions, donc à sélectionner sur l'écran planétaire ici. Donc, voilà, soit sans faire des relais, soit comme j'ai des robots serviteurs, les mettre dans un sanctuaire organique qui me permettront d'augmenter la prod de mes biotrophées. Voilà, vous avez aussi toujours dans le DLC les mondes reliques, tels que j'ai celui-ci. Donc, ce sont des mondes particuliers où vous retrouverez donc des districts aussi particuliers, justement, et vous pouvez souvent avoir une relique à trouver, ou en tout cas, souvent un site archéologique. Voilà. Donc, sur ces mondes, vous avez donc ces districts avec des bonus assez forts, finalement. Donc, là, par exemple, il y a 30% de recherche sur toute la planète. Et puis, vous avez donc d'autres districts qui donnent bon, en tout cas, le classique, quoi. Il n'y a pas de nourriture sur ce monde, et je ne sais pas si d'autres mondes reliques ont le même format ou si sont tous les mêmes. Pour l'instant, je ne suis pas allé assez loin dans le jeu, mais on espère de toute façon que ce système sera enrichi au fur et à mesure. Dernière chose, vis-à-vis du DLC, vous avez deux nouvelles chaînes de précurseurs, donc comme là j'avais trouvé avec les Zronis, ici. Donc les Zronis, le peuple psionique de la galaxie qui aurait créé ou qui serait entré le premier dans le Shroud. Voilà. Et puis vous avez aussi les Baols, donc que je n'ai pas encore trouvé, et qui sont une ruche plantoïde qui intégrait la biosphère des planètes à la conscience. Donc mon avis en tout cas sur toutes ces choses, bah c'est vraiment génial. En tout cas les sites archéologiques, moi je me prends beaucoup au jeu, à voir à chaque fois, à espérer en fait avoir des choses géniales. Bah, là on gagne un titan, mais par exemple sur celui-ci, j'espérais au début attraper. Parce que bon, j'ai une carte spatiale et je me suis dit allez, il va y avoir une relique derrière, et finalement ça s'arrête sur du rien. Et où j'ai juste gagné un peu de minerai, mais voilà, Et quelque part beaucoup d'effets d'annonce et on a envie d'y croire jusqu'au bout, et puis parfois ça réussit, donc comme ici avec le titan, et parfois ça ne réussit pas, comme ici avec juste 500 de minerais où on se dit bon bah ok, on avait trouvé une super boîte géniale, en plus le plafond s'était effondré deux fois, ça peut que être bien, et finalement on n'a pas grand chose. Je ne sais pas combien il y a de sites archéologiques différents, mais en tout cas ce que je sais, c'est que sur les sites, vous avez des fins différentes. Voilà, je sais que j'en ai trouvé un. Ça doit être celui-ci. Où finalement, on a trouvé un trou, pas plus un trou, un puits creusé dans le sol. Et donc on s'est dit, oulala, il l'aurait creusé à la pioche, alors qu'il fait des centaines de mètres de profondeur. Et finalement, on s'est juste aperçu que c'était une espèce de blague, où il n'y avait pas grand-chose au fond. Et voilà, on s'est un peu fait arnaquer. Et je sais que sur celui-ci, j'ai déjà trouvé une fin différente. Voilà. Et puis pareil, après pour toutes les reliques, on espère les attraper. Puis il y a toujours des utilisations sympathiques à faire. Hein, voilà, c'est encore des bonus. Mais il y aura des choix à chaque fois. Et puis le design est très agréable à l'œil, puisqu'ils l'ont travaillé exprès. Voilà. Autre chose qui est vachement géniale là-dessus, c'est que donc, comme le système des reliques est totalement gratuit finalement, puisque vous avez des reliques dans le jeu de base, vous pouvez aussi les modder, donc c'est-à-dire que vous pourrez créer des reliques au fur et à mesure, et pour ceux qui auront Ancient Relics, vous pourrez créer des sites archéologiques même. Et j'ai regardé rapidement dans les fichiers, puis il y a un exemple qui est assez bien fait, avec tout le détail qu'il faut, donc finalement il reste plus qu'à trouver une histoire à raconter, et puis à l'intégrer dans le jeu. Donc maintenant on va passer rapidement sur la mise à jour en elle-même, donc c'était Wolf. Donc la mise à jour s'est concentrée sur plusieurs choses, la réduction de la micro-gestion sur le jeu, l'automatisation donc dans le même registre, les secteurs, puisque ça permettait donc de mieux trier, puisque voilà, avec Megacorp en fait les secteurs faisaient un peu n'importe quoi. Et puis un retravail sur les mégastructures, les améliorations de l'IA et des perfs en général. Donc sur les secteurs, maintenant c'est très simple. C'est vous-même qui créez les nouveaux secteurs. Et donc on peut le voir ici. Hop, on va supprimer celui-là par exemple. Donc de base, tout ce qui n'est pas dans votre secteur central sera dans un secteur frontalier.
Voilà, donc pour l'instant, le seul désavantage que j'ai trouvé, c'est de pas pouvoir mettre de gouverneur, parce que là, vous voyez, il y en a un, donc je peux choisir. Et donc, pour créer un secteur, justement, là, ça charge, voilà. Donc, vous prenez votre planète, qui est là. Vous cliquez sur créer un secteur, donc maintenant, l'extension des secteurs est augmentée de 2 à 4 bons. Et voilà, donc là, il est créé, bon, je nomme le gouverneur qui va bien. Et vous avez votre nouveau secteur. Donc en plus c'est à partir de 4 bons autour de la capitale du secteur. C'est-à-dire que si vous la supprimez et vous la mettez plus loin, eh bien peut-être que vous pourrez modeler des secteurs un peu différemment. Tout se fait très rapidement, il n'y a aucun coût en influence comme il y a longtemps. Donc on peut tout remodeler en même temps. Voilà, le secteur central lui est un peu plus gros parce que ça tient jusqu'à 1, 2, 3, 4. Ah non, il est aussi à 4. 4 pardon, 4 d'espace. Et sur ce système des secteurs, avec la création, les développeurs sont toujours en train d'avancer de réfléchir en fait à l'améliorer, puisque par exemple, vous voyez ici, j'ai un secteur avec une planète, ben, j'aimerais bien intégrer, je sais pas moi, Scytula dedans. Donc ça voudrait dire réduire mon secteur central pour augmenter le secteur périphérique. Et malheureusement, actuellement, on peut pas le faire. Mais voilà, les devs réfléchissent à des liens comme celui-ci pour voir quel secteur a la préséance sur un autre. Côté automatisation, alors je sais que j'en avais une. Voilà, celui-ci. Donc le jeu maintenant, vous pouvez automatiser la construction et la gestion des planètes donc par planète et non plus par secteur. Et ceci donc grâce juste en un clic quoi. L'automatisation donc va suivre des routines pré-calculées en fonction de la spécialisation. Donc autre nouveauté de Enchantrix avec la mise à jour Wolf. Donc auparavant sur Megacorp, la spécialisation était automatique en fonction de ce que vous construisez. Maintenant, donc soit vous pouvez la laisser en automatique, soit vous la choisissez directement et ça vous donne des bonus comme ici, donc pour les ressources de base, plus de ressources et plus de vitesse de construction de district. Et pour des ressources avancées, ça vous diminue la consommation des ressources pour faire ces ressources avancées. Voilà, donc vous avez un peu de tout. Par exemple, si vous avez aussi une spécialisation de colonie, donc ça c'est lorsque vous venez de coloniser une planète, qui va augmenter la croissance de la population au départ pour vous faire aller plus vite. Donc il y a un peu de tout, et puis même il y a toujours la spécialisation fourre-tout, qui est le monde périphérique. Donc c'est plus de construction, non, des districts construits plus rapidement, et en même temps un petit bonus de prod sur vos populations ouvrières. Alors la spécialisation, moi j'aime bien, en tout cas, ça permet vraiment de... Non, on n'a plus à se casser la tête, on se dit voilà, ça c'est un monde minier, et puis après on repasse dessus, et puis on s'est souvenu que oui, ça c'était un truc où je faisais des mines. Et bon, là, par exemple, là, j'ai rien, mais voilà, tout n'est pas obligatoire. Vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez aussi mettre en automatisation avancée. L'automatisation d'ailleurs, c'est ici, non, c'était pas là, c'est là, non, voilà, ici, qui va attraper donc des ressources que vous mettez dans le stock. Donc vous pouvez soit directement donner des ressources au secteur en particulier, soit les mettre dans une réserve partagée. Donc là il y aura 18K de ressources, ok? Et donc cette réserve va être consommée par les IA donc, qui sont sur vos planètes à construire directement. Alors, ce que j'ai pas bien compris, c'est que les deux types de ressources s'unissent dans un seul. Donc c'est-à-dire qu'on convertirait de l'énergie en minerai, mais à voir. Pour cette partie automatisation, j'ai testé. De toute façon, moi je préférais tout micro-gérer à la main, parce que voilà, il y a quand même pas mal d'indicateurs, on s'y retrouve très vite. Et finalement, ça m'a pas donné grande satisfaction, mais les développeurs continuent d'améliorer ce côté-là. Côté aussi automatisation, bah, ça a profité à l'IA, qui est un peu meilleure qu'avant, même si bon, bah, elle décroche quand même assez vite, hein. Vous pouvez voir ici, à part les déchus, je crois. C'est ça, à part les déchus, bon, il n'y a pas. Et puis Roka qui joue avec moi. Voilà, elles ont assez vite décroché de là. Après, j'ai une autre partie en solo où ça se tient un peu mieux. Mais voilà, elle offre pas non plus des challenges beaucoup plus élevés que sur les versions précédentes. Au moins, elle tourne. C'est déjà ça. Enfin, sur le Wolf, les développeurs ont amélioré les mégastructures. Donc, ça, c'est via le DLC Utopia. Donc, maintenant, les mégastructures se font via les technologies directement. Alors, je vais en trouver ici. Donc il n'y a plus besoin de l'ascension en fait pour faire des mégastructures. Où est-ce que je l'ai? Ah non, pardon. Excusez-moi. Faudrait que j'avance dans la partie. Donc
Donc ces mégastructures. Alors, à part certaines d'entre elles qui sont toujours liées à des ascensions, mais sinon, tout se fait via la technologie, et donc, y compris les habitats qui étaient comptés avec. Et cela permet en fait à tous de pouvoir les construire, puisqu'avant, les deux ascensions qui étaient liées, donc celle des habitats et celle des mégastructures, elles étaient un peu obligatoires à prendre finalement, donc les joueurs n'avaient y avait pas trop le choix finalement sur ce qu'on pouvait prendre. Donc ici, maintenant que je les ai, voilà, donc là il y a le dispositif d'écoute, donc via une technologie physique, vous avez aussi le laboratoire scientifique qui est un peu plus bas, voilà, ici. Côté sciences sociales, vous avez, que je descende, l'Assemblée interstellaire, le musée galactique, le centre de coordination et les habitats qui doivent être un peu plus loin. Alors les habitats doivent être plutôt dans l'ingénierie, cependant. Et vis-à-vis des ascensions, finalement, donc c'est ici. Donc Né dans le vide, qui avant donnait des habitats, maintenant donne des bonus sur les habitats. Donc c'est quand même assez excellent, puisque l'habitabilité qu'augmente est toujours bonne à prendre. Et puis pour Maître Bâtisseur, donc celui-là, il y a une capacité de construction de mégastructures en plus. Puisque maintenant vous pourrez construire jusqu'à 3 mégastructures en même temps. Auparavant c'était une. Ce qui est vraiment confortable quand on commence à les bâtir parce qu'on a beaucoup de ressources. Et donc ça permet d'accélérer un peu les choses. Parce qu'avant, voilà, il fallait en construire une, attendre 10 ans pour le premier niveau, puis pour le deuxième, puis pour le troisième. Et une mégastructure tous les 50 ans, c'était plus possible, surtout vers la fin du jeu. Voilà. Donc les ascensions ont changé. Et sinon, il y a beaucoup aussi de rééquilibrage. Mais pour ça, je vous laisserai aller voir les patch notes. Donc. Grossièrement, il y a du changement sur les écuménopoles, où maintenant vous allez dépenser des ressources rares par district. Donc ça les a un peu nerfés. Vous avez aussi côté habitabilité. Bon, là vous l'aurez pas parce que j'ai des robots, mais en gros l'habitabilité va jouer sur la production, donc comme avant, la consommation d'entretien des pop, mais aussi maintenant sur leur production et sur leur croissance. Donc il n'y a plus en tout cas le trix qui permettait de tout coloniser pour avoir plus de pop et pour être plus fort que quelqu'un qui n'aurait pas colonisé des planètes un peu douteuses pour sa population. Et puis enfin, les développeurs ont amélioré les performances générales du jeu. Donc d'après le carnet, ça a amélioré entre 10 et 30% la vitesse du jeu en fin de partie, ce qui est toujours très bon à prendre. Et pour ça en fait, c'est juste qu'ils ont ralenti les mises à jour sur les activités des populations, et puis ils ont supprimé 2-3 routines qui n'avaient pas lieu d'être. Voilà, en tout cas, bah, pour plus de questions, si vous avez des questions, des commentaires, tout cela, vous pouvez nous retrouver sur le forum, avec bien sûr l'index des carnets. Et sinon, moi je vous dis merci beaucoup, et à bientôt sur le forum et le TS.